Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment installer un lecteur pour fichier vidéo Flash en .flv. Alors ce cours est utile notamment lorsque vous avez téléchargé un cours sur netprof.fr et que vous souhaitez le lire en local sur votre ordinateur. Alors, on va aller chercher ce lecteur sur Internet. Vous tapez FLV player PLAYER. Ok, alors là on a plusieurs possibilités et là on a 01net télécharger.com. Vous voyez, télécharger.com qui est un très bon site pour télécharger tout ce genre de petits outils. Ok. Et là, vous voyez, FLV Player version 2. FLV Player est, comme son nom l'indique, un lecteur de fichiers vidéo au format FLV, Flash Vidéo, doté d'une fenêtre redimensionnable et simple d'utilisation. L'application lie également divers autres formats vidéo. Bon, ça, on s'en fout. Ok. Ce qui est important, c'est le FLV. Donc, on clique sur Télécharger. Là, il nous propose de la pub. On s'en fout. Et là, on fait Enregistrer. Alors vous le mettez à l'endroit où vous mettez tous vos logiciels. Bon, là pour les besoins de la démo, voilà, je le mets sur le bureau. Et on l'enregistre. Vous voyez, donc c'est assez rapide puisque effectivement le fichier en lui-même n'est pas très gros et pourtant vous pouvez constater, là j'ai pas une excellente bande passante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok, donc voilà. Alors on ferme cette fenêtre puisqu'on a juste besoin de ça. Ok, encore 5 secondes, 3 secondes, 1, ok, fermé. Voilà, donc là on a notre logiciel, donc on double-clique dessus, pardon, et on l'installe. Ok, on autorise. Voilà, donc là on a la version FLV Player 2.0.24 et nous sommes le 27 avril, donc bon, c'est la version du jour. Donc là on fait Next. On est d'accord pour la licence, bien sûr. Là, il nous dit où est-ce que je vais l'installer. Vous le laissez l'installer par défaut. Le nom, alors, juste pour l'user actuel ou pour tout le monde, bah, vous laissez pour tout le monde, c'est très bien. Le nom, ok, c'est très bien. Vous laissez tout ça par défaut et on lance l'install. Voilà. Alors là, il nous propose plein de petits utilitaires. Bon, alors là, tout ça, vous l'enlevez. Là également un autre utilitaire, vous l'enlevez, puisque tout ça c'est des démos et vous devrez payer après, donc pareil, vous l'enlevez et voilà. Donc ça y est, il s'est installé. Donc comment ça fonctionne? Et bien très simplement, par exemple si on va sur un fichier en FLV, donc je vais prendre par exemple voilà cela. Celui-là par exemple, et là effectivement vous voyez j'ai mon fichier FLV. Alors si on voit pas très bien, on peut mettre en grande icône, voilà, vous voyez, et si on veut avoir le nom complet, vous voyez c'est bien fichier .flv. Donc on double clique dessus maintenant que FLV Player est installé. Alors on double clique, voilà, et voilà. Vous avez votre lecteur qui vous lance effectivement la vidéo en local sur votre ordinateur. Donc ça vous permet notamment si vous... On va le fermer 30 secondes. Si pendant la visualisation d'un cours, eh bien ça se bloque, vous avez des problèmes, c'est pas fluide, eh bien vous téléchargez le cours en FLV, donc sur le site netprof.fr, vous installez le FLV Player et vous le lisez en local sur votre machine, ça vous garantit une lecture fluide. Voilà, je vous remercie, bonne journée, au revoir.